Salut à tous, c'est Wiki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale, c'est pour te parler de Call of Duty et de son PlayStation, de Twitch, un petit peu de tout. Enfin, PlayStation, Xbox, tout ce que vous voulez, PC même, je pense. Tout marche. Donc, je vous explique la petite astuce. Donc, il y en a déjà eu un, c'était sur les thèmes de la mort, un petit peu. Je vous trouverai un petit screen, je vous le mettrai en même temps que je parle. Et là, il y en a un autre qui est sorti pour la saison 1, donc là, je suis en train de télécharger. C'est assez cool ces petites récompenses. Faut juste regarder des streamers. Je crois que c'est 30 minutes, 1h, 1h30 et 2h, je crois, c'est ça. Ou 4h, je sais plus. Donc je vais vous expliquer comment faire pour lier son compte Call of Duty à son compte Twitch. Donc tout marche avec Twitch, il n'y a pas YouTube, tout ça. C'est tout avec Twitch. Pour commencer, alors vous devrez vous créer un compte Call of Duty. Sur le jeu, je pense que vous êtes obligé, dès que vous démarrez, vous créez un compte Call of Duty, vous vous rendez sur le site Call of Duty. Je vais vous mettre tous les liens en description. Si c'est pas fait directement, ça va se faire petit à petit, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Mais d'ici là, je vais sortir la vidéo, je crois on est le mercredi 4 décembre. Donc peut-être le soir même, j'aurai tout trouvé, je vous aurai mis. Donc il n'y a pas de problème, là je vous sors la vidéo en pleine nuit, je crois. Et dès le soir même du mercredi 4, je vous mettrai tous les liens en description. Donc vous vous créez un compte Call of Duty. Ensuite, vous vous rendez sur Twitch. Donc vous créez aussi un compte Twitch. Ensuite, vous allez sur le Call of Duty. Je vous mettrai le lien, je crois, pour lier son compte. Après, attendez que je réfléchisse. Ouais, vous irez lier un petit peu tout ça. Et une fois que vous avez lié vos comptes, vous avez juste à regarder des streamers. Donc c'est pas tous les streamers, c'est pas si toi tu fais un live, tu vas dire vas-y moi je vais regarder le live de mon pote et je vais gagner les récompenses. Non, c'est que des youtubeurs où vous verrez en dessous, juste en dessous de son live, il y a écrit les récompenses sont activées. Et voilà, faudra juste regarder ça. Donc je vous mettrai tous les liens, il y a juste à créer un compte et après c'est aller dans les paramètres du compte Call of Duty, si j'ai les rappels. Lier son compte et c'est tout, vous liez vos comptes Twitch à Call of Duty, c'est tout. Et après, il n'y a rien à faire sur la console, sur le jeu, il n'y a rien à faire. C'est simple, c'est rapide. C'est comme sur FIFA, vous avez fait ça là avec EA. Je vous mettrai le lien, c'est la même astuce. C'est la même astuce, je vous mettrai le lien aussi de la vidéo. J'essaierai de me rappeler tout ça, mais je vous mettrai tout ça. Je vais m'en occuper demain, je pense. Là, je vous sors la vidéo, je m'occuperai ça demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. J'ai expliqué ça brièvement, rapidement, mais j'espère que vous avez un petit peu compris. Vu qu'il y en a, je pense pas, déjà pour le compte lié son compte Twitch à EA, pas mal de vues ont fait et pas mal de personnes ne savaient moyennement comment faire. Donc j'avoue, ça c'est un peu une galère. Quand on est sur téléphone, c'est une galère. Donc c'est mieux de faire ça sur PC. Après, sur téléphone, c'est encore plus une galère vu qu'il faut aller sur une autre page, il faut faire les liens. C'est tout un peu une galère. Donc c'est mieux d'avoir un PC, faire ça. Je vous mettrai tous les liens et vous aurez juste à suivre les astuces. De toute façon, après tout est noté. Compte Call of Duty, après lier son compte Twitch. Voilà, c'est tout. Après, vous avez juste à rentrer quelques identifiants en mot de passe. Et c'est tout fait. Après, une fois que tout est lié, bah, vous êtes tranquille. Vous avez juste à regarder le live de votre YouTuber préféré. Ou même d'un Américain, vu que c'est pas tout ça. Faut bien voir, faut bien faire attention, vu que... pas être dans la douille. Après, vous recevez une petite notification sur Twitch. Vous recevrez pas tout, hein. Genre vous en recevrez une. Après, vous dites pas à 2h j'ai pas reçu une notification, est-ce que j'ai le truc ou pas. Mais oui, après vous vous rendez sur le jeu, normalement après vous l'avez, il n'y a pas de souci sur ça. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit like et abonnez-vous, mais si ce n'est pas déjà fait. S'il y a des petits, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pardon. On reste dans la bonne humeur et dans la joie, voilà, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Petit like, abonnez-vous. Ciao.